Oui, bonjour, Jean-François Alexandre, donc en direct des Faucheurs de Marguerite aujourd'hui, le 16 et 17 juin 2018. Pardon. Donc ici, on va pouvoir parler de toutes la procédé de fabrication avec la fibre d'avoine. Donc, qu'est-ce que les matériaux composites? Matériaux composites, on peut y aller en différentes façons de fabriquer. Donc, c'est peut être soit avec directement de la fibre de verre pour faire la réparation d'automobile, quoi que ce soit. Donc, on prend notre fibre, puis on badigeonne avec un pinceau de la résine. Mais ça, on va avoir les doigts gommants, puis les propriétés mécaniques ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Mais ici, plus en aviation, puis presque la moitié des avions est sur place aujourd'hui puis hier, c'était vraiment en composite. Mais en composite, on parle vraiment des propriétés structurelles. Puis, qui dit pour avoir des bonnes propriétés, comme ici, on peut voir, c'est 12 couches de fibre de verre. Mais 12 couches de fibre de verre, si on essaie de faire la même chose avec juste un pinceau puis mettre une roche par-dessus, ça ne fonctionnera pas parce que ça va être environ presque le 3 fois plus épais. Mais surtout, il y a différents tests avec des procédés style ASTM, là, en flexion 3 points. Ça résistait à 2200 newtons. Donc, environ, mettons, 3 tonnes, si on veut. Mais si on fait ça au pinceau, c'est pas plus que 300 à 400 newtons. Fait que c'est une grande, grande, grande marge de manœuvre. Et puis, donc, c'est ça. Si on part à partir de zéro pour faire un avion, donc, on peut se déplacer légèrement ici. Donc là, on peut commencer en faisant notre forme finale. Donc, il suffit, tout dépendamment si vous voulez faire un bateau, une chaise, un pouf, un pot à fleurs, n'importe quoi, même un kayak, vous prenez juste un maçonnette, vous donnez la forme. Ensuite, vous pouvez prendre du plâtre de Paris, mettre à l'intérieur juste des papiers journaux. Même ici, il y a des casseaux de champignons. Ça ne paraît pas parce que c'est uniquement le fini de surface. Il faut que ça soit super, super lisse. Ensuite, une fois c'est lisse, là, on va faire notre moule. Fait que notre moule, on fait juste remettre des restants, ou tout dépendamment, là, ce que vous avez, de la fibre de verre par-dessus. Puis on met directement là, de la résine. Puis on peut le faire soit en une journée ou on le fait petit peu par petit peu. Mais ce qui est important, c'est que le résultat fini, ça va être la surface parfaitement lisse qui va épouser exactement la forme finale que vous avez fait au préalable avant. Donc, une fois que vous avez toute votre surface prête, là, vous allez tout simplement prendre votre fibre de verre. Puis, il y a différentes orientations dans les fibres de verre et on faut toujours respecter l'orientation pour avoir le meilleur des propriétés. Donc, on peut y aller en 0 puis 90 pour le long, puis on va mettre deux autres couches en 45 degrés. Donc, vraiment des couches 45 degrés à différents endroits. Puis, comme ici, c'était pour l'arrière d'une gouverne de direction avec une roue. Donc, à la section centrale, on va mettre environ 12 couches de fibres. Mais ça, les différents nombres de plis ou de couches de fibres, c'est toujours selon les propriétés mécaniques qui sont recherchées. Donc, si on fait un pot à fleurs, on s'entend, on n'a pas besoin de mettre 15 à 20 couches de fibres de verre. Et incidemment, les ailes d'avion, les ailes de planeur, la grosse moyenne, c'est environ 3 à 4 et près du fuselage, 6 couches de fibres. C'est pas plus que ça. Donc, c'est très léger. C'est pour ça que ça peut planer aussi. Donc, une fois qu'on a mis toute notre fibre de verre dans notre moule, là, on va pouvoir procéder à mettre le ruban scellant et le sac à vide. Donc, on va pouvoir présenter une micro-démonstration ici, juste en transférant. Donc là, on va mettre notre ruban scellant. Quand on met le ruban scellant, c'est important de... Ruban scellant, est-ce qu'on parle de masking tape ou de papier blanc? Ça peut sceller absolument rien. Donc, on s'entend, ça prend vraiment... c'est pas de la gobette bleue non plus pour coller des posters. C'est vraiment comme plus un genre de gommette, si on veut. Là. Mais vraiment pas nécessairement spécialisé. Ça peut être un scellant pour même les essieux des fois, mais faut vraiment que ça soit collé au maximum. Parce que la pompe à vide, ici, on a un petit modèle.
plus que la pompe est grosse, habituellement, plus qu'on va pouvoir tirer le vide le plus fort possible. C'est vraiment, si on tire le vide en pouces de mercure, qui est appelé, ou en PSI aussi, pour les unités de mesure, le vide absolu pour une pompe à vide, ça va être moins 29.99 pouces de mercure. Mais ici, avec une petite pompe qu'on peut trouver à l'état usagé pour environ 40-50 même, jusqu'à 250, là, on va pouvoir aller tirer un vide de 27 à 28 pouces de mercure, ce qui est amplement suffisant pour faire un avion, même un bateau, un yacht, un kayak. C'est vraiment tout le même procédé. Donc, une fois qu'on a tout mis notre ruban scellant, on place notre fibre de verre dans notre moule et on met ensuite par-dessus un plastique. Ça peut être même les polythènes, les pare-vapeurs qu'on peut trouver pour les maisons finalement. Donc, on fait tout, il faut vraiment tout garder, que ça soit super bien scellé avec l'autre, notre scellant. Et quand on passe les tuyaux d'injection pour le vide et pour l'entrée des résines, il faut faire attention aux joints. Fait que quand il y a des joints et qu'il y a des petits canaux ou que le plastique est plié, quand il y a des plis, qu'on dit « Ah, c'est pas grave, ça va marcher pareil », et non, malheureusement, ça ne marchera pas. Parce que vous y avez, il va toujours y avoir des fuites d'air, puis l'air va rentrer par les petits trous. Donc, la beauté de la chose, on ne se salit pas les mains avec de la résine, puis on peut prendre le temps qu'on veut de faire une bonne préparation. Puis une fois que tout est bien scellé, là, puis qu'on est prêt à injecter, là, on va pouvoir allumer notre pompe à vide, puis on va voir directement la compaction complète des couches de fibres. Parce que c'est la compaction des fibres qui est le plus important là-dedans. Donc, je vais la faire fonctionner environ 10 secondes pour les besoins de vidéo. Donc, on voit, une fois la compaction toute effectuée, là, on peut avoir ici un arrivé de résine qui va pouvoir vraiment infuser directement. Donc, plus loin, ici, j'avais, disons, un moyeu d'hélice, mais sur cet exemple-ci, on voit un catamaran ou un yacht d'environ 50 pieds de long. Et c'est directement, il y a même eu une simulation à l'informatique, mais c'est pas nécessairement utile dans tous les cas. Il faut y aller avec son bon jugement et ça va fonctionner. Donc ici, vraiment, on avait les pompes à vide. Ils sont les parts pour tirer le vide. Il y en a trois sur le haut. Et la résine, elle traverse le côté. Fait que là, quand on commence, après 30 secondes, c'est ça. Après 4 minutes, c'est ça. Après 15 minutes, la résine, elle a déjà avancé ici au complet. Puis après 20 minutes, un bateau de 45 pieds là, va être infusé au complet avec la résine. Sans aucune émanation de résine époxy ou de résine polyester. Et c'est vraiment la méthode de fabrication la plus sécuritaire, oui, et la plus efficace et efficiente pour avoir les meilleures propriétés. Pour avoir un bateau résistant, un pot à fleurs à tout casser ou des morceaux d'avion qui vont être parfaitement conçus pour le domaine de l'aviation ou quoi que ce soit. Mais finalement, si on fait un avion à la maison, on veut toujours que ce soit le mieux possible parce que à la fin, c'est nous qui rentrons à l'intérieur de l'avion. Merci beaucoup. C'était en direct des Faucheurs de Marguerite.